Alors mon protocole, c'est une séquence de gestes que je détermine dans le dessin préparatoire et qui est réalisée en une seule fois. La séquence est ainsi lisible et le geste s'y voit tel qu'enregistré. Je travaille à partir de trois formats et qui sont tous homothétiques. Le premier, qui est mon format de prédilection, fait 1,85 m par 2,70 m. Donc, qui est à peu près à une taille humaine, en écartant un peu les bras. Et donc, mon second format est au format 2/3 et le troisième au format 1/3. On pourrait dire que mon travail poursuit des expérimentations sur le geste du peintre. Alors, il y a assez rarement d'improvisation, mais ça peut arriver. Je maîtrise, on va dire, le protocole que j'ai mis en place. De la préparation de la toile jusqu'à l'élaboration de l'idée. Et ensuite, il y a beaucoup de choses que je contrôle pas néanmoins, notamment dans certains détails, dans des micro-espaces, dans le fait par exemple que je trace mes lignes avec une règle, mais qui est à quelques centimètres de la toile, du coup le poil reste libre, d'ondulation que je ne maîtrise pas, par exemple. Ou alors je vais employer un pistolet à peinture qui va créer des formes que je ne maîtrise pas non plus. Mes tableaux sont comme des intériorités en huis clos, des systèmes un peu autonomes, qui vont s'accrocher dans d'autres systèmes, eux aussi en huis clos, qui peuvent être plus complexes, ça peut être une architecture, ça peut être. Donc souvent, j'imagine une interface qui relie le tableau à son contexte. Ça peut être une scénographie picturale, ça peut être un environnement sonore, ça peut être un volume sur lequel va être accrochée la toile. Alors j'étais intéressé par un peu tout le mouvement de la poésie visuelle en Espagne à partir des années 60. Comme un phénomène assez circonstanciel, je pense. Et je me suis surtout intéressé à Joan Brossa, qui, je dois le dire, au fur et à mesure de la découverte de son œuvre assez immense, concentre beaucoup de mes préoccupations plastiques. C'est vraiment l'utilisation du signe graphique dans son potentiel visuel qui m'a le plus marqué. Je pourrais dire que ce qui m'intéresse, c'est son rapport à l'articulation, à la littéralité, à l'intelligibilité.